C'est sur son mythique circuit de motocross que le Motoclub Saumurois organisera le dimanche 21 septembre 2014 le championnat de France de trial. Ce circuit qui accueille chaque année au mois de mars le championnat de France élite MX1 et MX2 de motocross qui réunit les meilleurs pilotes français ainsi que des manches du championnat de ligue Languedoc-Roussillon. Ce site se trouve sur la commune de Villevieille avec son château du XIe siècle qui reçoit le plus ancien festival de musique classique pendant la période estivale. À proximité se trouve la ville de Sommières, très pittoresque et connue pour son centre médiéval, ses arcades et ses rues étroites. Traversé par le Vidourle se dévoile son pont romain construit au 1er siècle et composé de 20 arches qui s'étendent de chaque côté des parties bâties. Sa tour qui surplombe la cité permet d'apprécier cette belle région entre Cévennes et Méditerranée. Nous sommes à 30 km de Nîmes et de Montpellier. Après le motocross, le circuit de la Tourie a laissé place aux engins de chantier. Réception et mise en place de blocs de rochers de la carrière de Pondre, stockage de pierres et d'énormes tas de terre. La dénivelée importante du circuit a permis d'incruster et de créer les nouvelles zones. Après beaucoup de recherches, de réflexions, de positionnement, chaque structure trouve sa place. Derrière ces architectures et ces créations, on retrouve le responsable de la commission trial au motoclub Didier Useglio. C'est le motoclub Saumurois, on organise l'épreuve du championnat de France le 21 septembre. Donc le circuit sera divisé en deux parties, c'est-à-dire qu'il y aura deux zones à l'extérieur et huit sur le terrain. Grâce à notre partenaire ProRock, on a pu aménager toutes ces zones autour du circuit de motocross. On a pu profiter aussi du système de dénivelé, donc on a pas mal dénivelé avec l'enrochement, des troncs d'arbres. Tout est aménagé de manière à pouvoir recevoir une épreuve de championnat de France. Motoclub et le motocross qui fait vivre notre motoclub, on a pu aménager toute ces zones avec des engins bien entendu, donc pelle mécanique, bulldozer. Ensuite je remercie Yannick Dubois et ensuite Laurent Barlaguet qui a aussi piloté l'engin qui s'occupe de la communication au niveau du motoclub. Grâce à notre partenaire, on a pu aménager ces zones avec du rocher, bien entendu. Les zones ont été aménagées tout autour du circuit et en fonction du nouveau règlement, c'est-à-dire non-stop avec des rochers assez espacés, des modules plus ou moins hauts en fonction des catégories. Donc une fois les rochers mis en place et les zones bien déterminées, on a fait venir notre pilote local qui est entraîneur national de l'équipe de France. Yeah.
On est heureux d'accueillir cette épreuve de championnat de France avec les meilleurs pilotes français, de pouvoir organiser à nouveau une épreuve de championnat de France, parce que ça faisait déjà quelques années qu'on n'avait pas organisé l'épreuve de championnat de France. Donc on va avoir un gros plateau avec des pilotes qui sont dans les 10 premiers mondiaux en expert et des champions du monde junior ou yurt. Donc vraiment un plateau de qualité, j'espère que le spectacle sera là. Donc on a ciblé au niveau de l'organisation sur 150 personnes au niveau de la manifestation. On est parti sur 4 commissaires par zone, donc une grosse organisation, tout est bien calculé. Au niveau du règlement, on a bien briefé nos commissaires puisqu'on a fait une formation dans l'hiver. On espère que tout va bien se dérouler.